Sir Edmund Whitehead, l'attaché militaire que j'ai connu autrefois à Berlin. Ah, très bien, il est très content. Il a été blessé, il a un bras en moins, il a épousé une femme très riche. C'est une très belle carrière. Vous l'avez connu? Blue Mimi? Of course. You were riding her when you won the Grand Military in Liverpool in 99, weren't you? Prince of Wales Cup. I remember. I say you would. Where would dear clerk shows, Badier? Croyez bien que le métier que je fais à présent me repugne autant qu'à vous. De TVR. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Brûler partout, la raison pour mes gants. Colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en argent aussi. Les malheurs de la guerre m'ont apporté ces richesses. Me permettez-vous une question? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception en me restant chez vous? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Ils sont très bons soldats. Oui. Joli cadeau de la Révolution française. Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Voyez, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin de Raffenstein et de Voyez. On n'a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Peut-être. J'admire le soin que vous prenez de votre géranium. Ne croyez pas que je sois devenu botaniste, mais c'est la seule fleur de la forteresse. Il ne pousse ici que du lierre et des orties.